On y va. 5, 4, 3. Marcus! S'il te plaît, Mike, ralentis un peu. On est en retard. J'ai mal au ventre, Mike. Il me faut un soda. Allez, va prendre ton soda et rien d'autre. Ces saucisses sont fraîches. Elles sont là depuis hier. J'en prends une. Ajoute-moi un peu de sauce. Ouvre la caisse. Reste où t'es. C'est des Skittles que je vois sur le comptoir. Oui, mais c'est pas à moi. Si, c'est à lui. Ferme ta gueule. Marcus, on se casse. Il a son flingue sur ma tronche. Tu veux t'embrouiller avec lui ou avec moi? Désolé, monsieur. Mais je dois y aller. Appelez les flics. Attendez, vous êtes pas de la police? Hey Reggie, c'est toi qui as mangé mes snacks? Non, monsieur. C'est toi qui les as mangés, hein. Faut que tu te trouves un job. Je suis un marine, monsieur. Ben alors, faudrait que t'ailles faire la guerre. Papa, regarde. Nous avons la preuve que l'ancien officier de la police de Miami, le capitaine Conrad Howard, a travaillé pour des cartels de la drogue. Pendant des années. Le capitaine Howard est victime d'un coup monté. En route. C'est quoi ça? Il nous envoie un message depuis l'au-delà. Dis pas n'importe quoi. Si vous regardez ça, je dois sûrement être mort. Fais chier, merde, putain, qui sait se faire foutre? Je sais pas qui est derrière tout ça, mais ne faites confiance à personne. Vous êtes mes bad boys. Lavez ma réputation. Restez sur vos gardes. Vous avez été piégé, inspecteur. Nous avons deux suspects, Laurie et Burnett. Ils sont armés et dangereux. On y va. 5, 4, 3. Non! Pas du lave-glace! C'est inflammable! Qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas chimiste! Putain, vous êtes deux fugitifs de merde. Faut que tu sois un badass, Mike! Bad boy! T'inquiète, je gère! Non, tu gères rien du tout! Hey Mike, tu es mon âme sœur. Non, j'ai une vision de mon âme sœur, elle ressemble pas à ça. Y a pas que le physique dans la vie. Dis-toi qu'une âme, ça n'a pas de bite. Moi, je peux te dire que mon âme a une bite, mon gars.